Alors, dans cette troisième vidéo sur l'introduction au machine learning et deep learning, on va donner quelques définitions basiques et montrer quelques fonctionnements de base de méthodes classiques de machine learning, d'apprentissage machine. Alors, tout d'abord, il y a deux types d'apprentissage machine. Il y a ce qu'on va appeler l'apprentissage machine supervisé et l'apprentissage machine non supervisé. Dans l'apprentissage machine supervisé, eh bien, on va donner à la machine des paires de données entrée-sortie. Donc, grosso modo, on va demander à la machine, à partir de valeur X en entrée, de prédire une valeur Y, qui peut être une classe ou qui peut être un nombre, c'est-à-dire quand on est dans le cadre d'une régression. Et donc, à partir des paires de données d'entraînement, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, etc. Donc, ça peut être par exemple, je donne une image, X1, et puis je donne quelque chose lié au contenu de cette image. Par exemple, c'est un chien ou un chat, ou c'est une cellule saine ou pathologique, c'est un patient atteint de tel ou tel symptôme, ou il s'agit de telle ou telle classe d'espèces, de plantes, etc. Et donc, avec ces paires XY, eh bien, la machine va apprendre à une fonction qui va, en prenant ces données X en entrée, prédire une sortie Y pour faire l'opération que l'on souhaite. Donc, on comprend que quand on est sur un apprentissage supervisé, eh bien, finalement, le fuel, ce qu'on met à l'entrée, eh bien, ce sont ces données, on a besoin de ces données annotées. On a besoin que ces données annotées soient de bonne qualité, qu'elles soient en suffisamment grand nombre pour que les degrés de liberté de la fonction f à ajuster puissent être ajustés sans faire ce qu'on appelle du surapprentissage, c'est-à-dire sans apprendre par cœur les exemples qu'on a donnés, mais être capable de généraliser à d'autres cas qui n'avaient pas été mis dans la base d'entraînement. Et puis les méthodes supervisées, eh bien, ce sont des méthodes qui vont trouver de la structure dans les données sans avoir forcément une référence d'entrée. Donc par exemple, vous lui donnez des images de plantes, et puis il va vous trouver qu'il y a un groupe qui a quelque chose en commun, et puis un autre groupe qui a un autre quelque chose en commun, sans forcément avoir sémantiquement mis un contenu là-dessus. Et c'est à vous, utilisateur, après, de faire le tri dans ces groupes qui vont avoir été proposés par cet apprentissage non supervisé. Alors, on va voir dans les applications, donc on a parlé de classification et de régression, de voir ce qui se cache derrière tout ça et qu'est-ce que ça signifie sur des exemples illustratifs très basiques. Donc, admettons qu'on ait une base d'objets d'images dans laquelle j'ai trois classes d'images, des images de cerf, des images de feuilles, des images de poivrons. La première chose que je vais faire, c'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, c'est qu'il va falloir que l'ordinateur, lui, quand il voit ça, il ne voit pas cerf, il ne voit pas feuille, il ne voit pas poivron. L'ordinateur, lui, s'exprime dans un autre langage qui est celui des nombres. Il a besoin qu'on lui donne des nombres. Et donc, il va falloir en tant qu'expert, on choisisse des nombres, des features, pour encoder ces images. Donc, par exemple, la taille des objets, la couleur des objets, la texture des objets, voilà, qui vont être comme autant de nombres. Puis, une fois qu'on va avoir cette base de features, de caractéristiques, on va les représenter dans un espace des caractéristiques qu'on appelle en anglais espace des features. Donc, par exemple, ici, je présente à chaque fois que j'ai une image qui correspondait à une vérité terrain, donc la valeur Y, la classe serre, je les représente dans mon espace. Je fais la même chose avec les feuilles et puis je fais la même chose avec les poivrons. Et là, j'ai un espace des features qui semble structuré au sens où eh bien, tous les poivrons sont bien rassemblés les uns avec les autres, les feuilles les unes avec les autres, et les serres les unes avec les autres. Donc, ça, c'est la phase de création de mon espace des features pendant l'entraînement, d'une certaine manière. Et puis maintenant, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle une inférence ou mettre en application mon algorithme. Quand je prends une nouvelle image, j'extrais l'objet d'intérêt, je vais l'encoder sur la même base de nombres que ce que j'avais eu précédemment. Je vais représenter dans un diagramme. Alors ici, je vais représenter sur un espace à deux dimensions, mais on peut imaginer qu'on est en grande dimension, en plus grande dimension. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ben, cet objet, il ne fait pas partie de la base d'apprentissage.
mais il est proche de l'objet qui avait été mis dans la base d'apprentissage. Il ne fait pas partie dans la base d'apprentissage, parce que sinon ça n'aurait aucun intérêt, ce serait l'apprentissage par cœur. On retrouve un objet qu'on a déjà mis dans la base, ça n'a aucun intérêt. Non, ça va être un objet qui est du même type, de la même classe que certains objets de la base d'apprentissage, et ce qu'on voudrait regarder, c'est de quelle classe il est le plus proche. Donc typiquement, un algorithme qu'on appelle le KNN, K-Nearest Neighbors, eh bien, va appliquer une métrique, par exemple une distance euclidienne ou d'autres types de distances, dans cet espace des features, et va regarder quels sont les plus proches voisins, par exemple les K plus proches voisins. Si les K plus proches voisins sont de la classe poivron, eh bien, on va décider que l'objet détecté est de type poivron. Voilà basiquement comment va pouvoir fonctionner un apprentissage machine sur la base d'exemples qui ont été entrés au départ. Pour là, c'était pour une tâche de classification. Pour une tâche de régression, eh bien, typiquement un autre exemple de type agronomique. Je prends une tomate, une photo de tomate. J'ai mesuré par un autre canal, un autre biais, la maturité de ce fruit. Et puis, je fais une représentation de la teinte de ma tomate ici en fonction de la maturité. Je vais interpoler cette loi qui est ici en une dimension, mais il faut imaginer qu'elle pourrait être en n dimensions. Puis je vais reprendre un autre fruit qui ne faisait pas partie de la base de départ. Je vais calculer sa couleur et je vais en prédire la maturité. Donc c'est ce qu'on appelle une régression qu'on a tous fait. La régression linéaire est une forme d'apprentissage machine. Voilà, alors pour des traitements non supervisés, donc là l'idée c'est qu'on n'a pas de vérité terrain, donc on va faire ce qu'on appelle des clusters, des groupes. On va regrouper les points qui, dans un espace des features, vont avoir une forme de proximité. On peut aussi faire pour identifier de la structure, donc par exemple quand on fait une ACP, une analyse en composante principale, on fait de l'apprentissage machine non supervisé, on trouve les dimensions sur lesquelles on va pouvoir décomposer les données de départ pour réduire l'espace des features qui peut être en trop grande dimension pour pouvoir être observé, par exemple. Voilà une autre application de l'apprentissage machine, ici dans un cas non supervisé, à la manière de ce que fait une analyse en composante principale. Alors, quels sont les algorithmes qu'on trouve dans le domaine de l'apprentissage non supervisé? Vous avez une liste non exhaustive ici. Ici, on va regarder le K-means et le GMM. Donc, on va regarder quelques bases d'algorithmes non supervisés en regardant les K-means et les GMM. Alors, le K-means, qu'est-ce que ça fait? Le K-means, ça va... prendre un certain nombre de clusters, donc il faut qu'on sache combien de clusters on est susceptible de trouver. Et puis, ça va prendre des points au hasard dans l'espace des features, et puis on va attribuer à chacun des points correspondant aux données son cluster le plus proche. On va ensuite, au sein de ces clusters, recalculer le centroïde, c'est-à-dire le barycentre du cluster. Et puis on va réassigner les points, et puis on va répéter ces étapes 2 et 3 jusqu'à convergence. J'ai toujours du mal, moi, quand on explique les choses comme ça par étapes, je suis informaticien de base, donc on va regarder en action. Donc on a par exemple des nuages de points comme ça, on sait qu'on doit avoir 3 clusters, on va tirer au hasard au début les 3 représentants, manifestement les 3 points ont été tirés au hasard, parce que c'est pas là que nous, humains, si on pouvait les regarder, on les aurait placés, mais il faut imaginer que là, on visualise ça dans un espace à 2 dimensions de features, alors qu'on pourrait être un espace à n dimensions pour faire ça. Donc, on va recalculer le barycentre des positions. Vous voyez bien que notamment pour cluster vert, le barycentre est beaucoup plus haut, il est ici entre les deux bouts, donc à l'étape d'après, hop, on va repositionner le barycentre ici. On recolorise, c'est-à-dire on recalcule quel est le centroïde le plus proche et on recolorise en conséquence, et ainsi de suite. Et on va voir que, par exemple, le cluster bleu, il va être attiré vers la gauche, parce que là, son barycentre, il faut qu'il se déplace vers la gauche, et le cluster vert, il va attirer vers le haut, et ainsi de suite. Donc, on répète l'opération. On recalcule le barycentre, on assigne les couleurs, hop, on recalcule le barycentre, on assigne les couleurs, et ainsi de suite. Et on voit que quand les centroïdes vont être positionnés au cœur des véritables clusters qui structurent les données, et bien au bout d'un moment, il n'y a plus de mouvement de ces croix, il n'y a plus de modifications, l'algorithme a convergé, on arrête l'algorithme. Il s'arrête tout seul quand il voit que les positions des centroïdes n'évoluent plus.
On peut appeler ça, appliquer ça pour illustration à une image dans laquelle on a des coordonnées RGB, alors qu'on transforme souvent dans d'autres espaces couleurs, comme par exemple l'espace LAB, où L va être grosso modo une mesure de luminance et A et B vont être des mesures des couleurs. Donc les features vont tout simplement être ces coefficients A et B. On ne va pas prendre la luminance parce que la luminance, elle traduit grosso modo les variations d'éclairage et on a envie d'être robuste à ces variations d'éclairage. Donc on va prendre les coefficients A et B et on va représenter chacun des pixels, va représenter un petit rond ici dans l'espace AB, comme ceci. Alors si ce type de plugin existe avec le logiciel Imagi, s'il y en a certains d'entre vous qui sont familiers avec ce logiciel. Ici, si on demande trois clusters, on imagine trois clusters parce qu'on a le fond qui était bleu, on a les tomates qui sont rouges, et puis on a les feuilles qui sont vertes. Donc on dit trois clusters, et on voit bien qu'on a effectivement trois clusters qui ont été faits. Alors il y a un cluster qui est très séparé des autres, c'est le bleu, parce que c'est un peu une image fausse, on a un fond bleu qui est un fond homogène. Donc voilà ce qu'on obtient. Si on regarde tous les pixels qui appartiennent au cluster bleu, au cluster rouge et au cluster vert. Voilà, alors il faut se souvenir de quelque chose, c'est qu'au départ, le tirage au sort des centroïdes a été fait au hasard. Ce qui fait que si je fais retourner mon algorithme une autre fois, ce qui va être le cluster bleu pourra très bien être finalement la tomate. Et le cluster vert pourrait être le fond bleu, etc. C'est-à-dire que le cluster 1, 2, 3, on va dire, ne vont pas apparaître dans le même ordre. Il y aura toujours à peu près le même résultat, mais le numéro du cluster n'est pas le même. C'est-à-dire qu'on n'a pas de contenu sémantique parce qu'on n'est pas dans un cadre supervisé. Donc ces méthodes, elles ont une nature aléatoire. Donc c'est bien d'avoir fait plusieurs tirages pour vérifier que les performances sont stables, mais aussi elle ne nous donne pas finalement le contenu sémantique. Elle nous dit juste voilà ce qui peut être regroupé d'un point de vue de la similarité dans l'espace des features. J'espère que cet exemple vous a permis de mieux comprendre ce que c'est que ces features. Sur cet exemple-là, c'était la paire de coordonnées XY de type couleur ici. Alors il y a des fois où le K-means va pas bien marcher, c'est quand les données ne sont pas structurées dans l'espace des features de manière isotrope, puisque le K-means il fait une mesure de distance. Hein, donc il regarde à chaque fois, parmi tous les points, celui qui est le plus proche, de quel centroïde il est le plus proche. Et donc on voit qu'on est dans une distance finalement qui est isotrope dans l'ensemble des directions de l'espace. Ici, si on a des données qui sont structurées comme ça, on voit qu'une logique de type sphère pour calculer les distances eh bien, ne va pas pouvoir s'appliquer et des sphéroïdes seraient, des ellipsoïdes seraient mieux appliquées. Donc si on applique le K-means ici, on commence avec, on sait qu'on a deux clusters, on attend deux clusters, un tirage au hasard au départ, on réassigne le barycentre, on recolorise, on réassigne le barycentre, on recolorise, on réassigne le barycentre, on colorise, et on voit que la partie en haut ici de ce premier cluster va toujours rester dans cette partie-là, alors qu'on aurait envie de voir deux ellipses bien séparées. Et donc c'est lié au fait que on cherche des structures qui sont à égale distance dans toutes les directions, et donc ça va pas bien marcher dans ce cas-là. Alors comment faire? Déjà on peut tout simplement chercher à fitter des ellipsoïdes, et puis on peut faire aussi attention à normaliser nos valeurs, parce que si on a deux nombres dans nos features ici, puisqu'on est sur une représentation 2D, qui n'ont pas la même échelle, eh bien on risque d'avoir toujours des ellipsoïdes très étirés comme ceci, donc on peut revenir à des sphères en normalisant les paramètres pour qu'ils aient tous la même dynamique entre 0 et 1. Donc dans ces cas-là, on essaie de passer avec des GMM. Attention, j'ai dit, on représente en 2D, mais il faut imaginer en N dimensions. En fait, depuis les travaux très anciens de Bellman en 61, on sait qu'on a ce qu'on appelle la malédiction de la grande dimension, c'est-à-dire que si on travaille avec un trop grand nombre de features, il n'y a plus aucune structure de données qui peut s'opérer, c'est-à-dire qu'on ne voit plus ces espèces d'ellipses-là en N dimensions apparaître. Et donc l'idée, c'est toujours de faire plutôt une réduction de dimension avant d'appliquer ces méthodes-là qui opèrent mal en grande dimension. Alors maintenant, on va regarder des méthodes de base de l'apprentissage machine supervisée, ce qui nous amènera vers les réseaux de neurones, qui sont une famille particulière de ces méthodes d'apprentissage machine supervisée.
On va regarder les arbres de décision, les forêts aléatoires et les réseaux de neurones. Alors, on se souvient de l'exemple qu'on avait tout à l'heure avec les poivrons, les cerfs et les feuilles. On avait de la chance, c'est que quand on représentait ça dans l'espace des features, tout était bien regroupé par zone. Ce qui fait que, par exemple, un KNN qui va prendre des sphères de similarité ne va pas bien fonctionner. Dans d'autres cas, on peut avoir un espace qui est plus découpé, comme c'est le cas ici, par exemple, où on a dans notre espace des features x1, x2. Alors, vous pouvez imaginer que c'est encore les coordonnées de couleur de notre exemple d'avant. Eh bien, on a deux classes qu'on veut séparer, une représentée par les croix rouges, l'autre par les ronds verts. Et on voit bien que là, si on applique un KNN, les cas plus proches voisins, on va être embêté parce qu'en fait, tout n'est pas rassemblé dans une même zone dans l'espace des features. Et pourtant, on doit pouvoir arriver quand même à construire des zones de décision pour dire voilà des domaines de l'espace des features qui représentent plutôt des croix rouges et d'autres plutôt des ronds verts. Alors, par exemple, typiquement, je peux décider de mettre une décision ici à x1, une autre décision ici à x2, et puis de décider que tout ce qui est une valeur inférieure à 3 pour x1 et puis inférieure à 3 pour x2 correspond à des croix rouges. Tout ce qui est inférieur à 3 pour x1 et supérieur à 3 pour x2 correspond à des ronds verts, et ainsi de suite. Donc, je peux continuer mon arbre et paver complètement l'ensemble. C'est ce qu'on appelle un arbre de décision. On a fait un arbre de décision où, en fonction des valeurs de x1 et x2, etc., on va se retrouver dans un domaine dans lequel on a plutôt des ronds verts ou plutôt des croix rouges. Alors, on peut, ça on l'a fait manuellement là, et la question qui se pose c'est ben, quel est l'arbre le meilleur et comment la machine fait pour faire ça. Donc, elle va faire un algorithme dit CART qui fonctionne de la manière suivante. Elle va prendre chacune des dimensions, elle va regarder quelle est parmi toutes les dimensions possibles celle qui va réduire le plus possible l'impureté de mon jeu de données. C'est-à-dire, si je prends une frontière, là où la frontière qui est posée est la plus pure parmi toutes les classes que je veux séparer. Et puis, elle va répéter ce phénomène jusqu'à avoir que des enclos qui soient purs, que des croix rouges et que des ronds verts. Donc, qu'est-ce qu'on appelle pureté? Il y a différentes manières de calculer. Des fois, c'est par des méthodes dites d'entropie. D'autres critères similaires, c'est le critère d'impureté de Gini, qui est simplement le produit des probabilités fois 1 moins PI. Donc, par exemple, si je n'ai que des ronds verts, eh bien, je vais avoir une probabilité à l'intérieur de ça d'avoir un rond vert qui est de 1. Et donc, 1 multiplié par 1 moins 1, c'est-à-dire 0, j'ai une impureté qui est nulle, tout simplement. Donc l'algorithme appliqué, si on veut le voir fonctionner à la main, appliqué à l'exemple joué qu'on a ici, qu'est-ce que je fais? D'abord, il regarde sur x1, il regarde si je mets une frontière ici, quelle va être, combien je vais avoir de ronds verts et de ronds verts et de croix rouges. Donc j'en ai un rond vert et un croix rouge à gauche de la frontière, et j'en ai 6 et 7 à droite de la frontière. Je calcule le coefficient d'impureté, donc il est de 50% à gauche et grosso modo de 50% à droite, et je fais la somme des deux pour avoir l'impureté globale. Et je vais faire ça pour toutes les frontières. Donc ici, par exemple, je passe de 1 à 3, puisque à 2, ça ne constitue pas une frontière qui ferait une différence. Donc je passe à 3, je recalcule les impuretés, et je fais ça pour toutes les frontières, selon x1, selon x2. Et je le ferai sur toutes les frontières, si j'avais encore d'autres paramètres. Et parmi toutes celles-là, je vais prendre celui qui a l'impureté la plus faible, qui correspond à x1 égale 7. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais itérer ce processus sur autant de fois que nécessaire pour arriver à séparer mon espace. Donc, première séparation arrive là, ensuite, hop, ici, ensuite, ici, ainsi de suite, pour arriver, alors il y a un petit problème de mise en page là, ici, de cet arbre de décision, mais pour arriver à un arbre de décision complet qui me sépare mon espace en des cases, en des régions qui sont pures en termes de contenu de chacune des classes. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à cette méthode d'arbre de décision. Un des avantages, c'est qu'elle est simple à interpréter. C'est-à-dire que plus un critère va apparaître haut dans l'arbre, plus il a une importance importante, une importance forte sur la prise de décision.
Également, ces méthodes vont pouvoir manipuler des outils, des données de type numérique et des données de type catégoriel. Donc, par exemple, je pourrais mettre à l'entrée des données images et des données génotypiques ou des données de type environnemental, puisque à chaque fois, je prends une décision séparément sur chacun des features. Je ne les combine pas pour faire un espace, je ne fais pas des mesures de distance, comme dans le K-means ou dans le KNN, où je faisais des distances en mélangeant toutes ces méthodes pour faire une distance euclidienne. Donc, ce qui n'a pas trop de sens quand on est par exemple sur des données catégorielles. Il y a très peu de préparation de données, puisqu'il n'y a pas besoin de normalisation des données, et c'est des méthodes qui sont relativement rapides. Les désavantages, c'est qu'elles sont sensibles au bruit. C'est-à-dire, on le devine bien ici, dans l'exemple précédemment, que si on subdivise trop, il se peut qu'on apprenne une manière de subdiviser qui est qui est trop proche du jeu de données d'apprentissage et qui va mal généraliser, donc qui risque de ce qu'on appelle overfitter, surapprendre le jeu d'apprentissage que j'ai utilisé pour faire ces séparations. Donc pour dépasser ces limites, on met en œuvre ce qu'on appelle l'algorithme de Random Forest. Donc là, on est sur le niveau d'humour des gens d'apprentissage machine. On a vers un arbre de décision, c'était cet arbre. On a vu qu'il y avait des limites de cet arbre de décision. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plusieurs arbres de décision et qu'on va faire un vote à la majorité. Alors si on fait le même arbre de décision, même si on a fait une forêt d'arbres, ils vont tous dire la même chose, donc ça n'a aucun intérêt. Il faut rajouter de la diversité. Et cette diversité, eh bien, on va la réaliser en donnant à chaque arbre un jeu de données, un sous-jeu de données d'apprentissage différent, et en prenant un sous-jeu des features différents. Ce qui fait qu'on va avoir une diversité de points de vue et on va moyenner l'ensemble de ces points de vue pour faire un vote à la majorité. Donc, typiquement, vous obtenez n arbres, vous mettez vos données à l'entrée, chaque arbre a été entraîné, le premier arbre vous dit que c'est un rond vert, le deuxième un rond vert, le troisième une croix rouge, le quatrième un rond vert. À la majorité, on décide que la nouvelle donnée qui a été rentrée à l'entrée de tous ces arbres est de type rond vert en majorité, et donc on décide donc on prend un rond vert. On classe cette donnée comme un rond vert. Alors, les logiciels dont on vous a déjà parlé un peu plus tôt dans les précédentes vidéos, comme Elastic, qui va vous être présenté plus en détail, dans lequel vous peinturerez simplement quelques pixels et prennent une décision derrière, eh bien, la partie prise de décision, eh bien, elle est sous la forme de Random Forest, de forêt aléatoire. Voilà. Alors, avant d'aller vers le deep learning, on va avoir besoin de rentrer encore un petit peu plus en détail. Donc, ça va être vraiment, on va passer par le pic mathématique là, de la formation ici. Mais ensuite, on reviendra sur des choses en mode utilisateur. Mais c'est important, on pense, de creuser encore un tout petit peu plus pour que vous compreniez, en tant qu'utilisateur, les paramètres que vous allez avoir à ajuster au sein des codes ou au sein des interfaces graphiques. Et donc, ça sera l'objet de la prochaine vidéo.